Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, c'est vraiment trop triste. C'est vraiment trop triste ce qui est en train de se passer. Cristiano Ronaldo, CR7, celui qui a un hôtel à son nom, qui a une marque de caleçon à son nom, est en train tout doucement de s'éteindre. Oh là là, premier match de première ligue, le mec, il est sur le banc. Tu te rends compte de la débandade pendant que Messi commence à mettre des retournées acrobatiques? Hein? Bon, on va pas se mentir, Ronaldo, quand il mettait ses retournées acrobatiques, ça avait rien à voir. Le mec, il se soulevait à 2 mètres au niveau du sol et puis il frappait le ballon. Il t'envoyait ça dans des sphères absolument incroyables, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, on observe que là, c'est la débandade. Cristiano Ronaldo est sur le banc. Quand je vois Cristiano Ronaldo sur le banc et que je vois qu'il y a Rashford qui est sur le terrain, sans manquer de respect à Rashford, et je me dis que là, il y a un petit problème. Et que là, franchement, c'est triste ce qui est en train de se passer. Donc là, malgré tout ce que vous pouvez dire, Cristiano Ronaldo reste un grand joueur. Il a absolument fracassé tous les records mondiaux en termes de football. Hein? Là, aujourd'hui, là, si tu regardes les followers, c'est qui est le plus suivi en termes de joueurs? C'est Ronaldo. Pourquoi? Parce que ce gars, il a tout de son côté. Bon. À part la tristesse, je ne vois pas ce que je peux vous dire. Là, il y a Lionel Messi qui commence à se réveiller, qui commence à comprendre que dans la vie, il n'y a pas que le FC Barcelone. Il commence à nous montrer son talent. Il nous met des doublés, il nous met des passes décisives pendant que Ronaldo cire le banc. Tu te rends compte, Cristiano Ronaldo, il remplit le banc, il remplit les gourdes au Manchester United. Hein? Et même ça, comment il remplit les gourdes? Il doit les remplir d'une manière absolument précise. Hein? Aucun joueur ne peut remplir les gourdes comme Cristiano Ronaldo, il remplit les gourdes. Hein? Tu l'as vu comment il est assis sur le banc? Même ça, il le fait mieux que les autres. Donc en tout cas, j'ai vu plein de gens qui ont commencé à comparer la retournée de Messi et celle de Ronaldo. On va pas se mentir. Là, on a quelqu'un qui est athlétique et on a quelqu'un qui a beaucoup de chance. Voilà. Bon, il a tenté et la chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Ouh là là, il y a un gros véhicule à côté là. En vrai, la chance n'existe pas. C'est toi qui la provoque. Mais ce que je voulais dire, vous l'avez compris. Voilà, donc il y en a un qui est en mode acrobatique et il y en a un qui est en mode j'ai essayé, ça a fonctionné. Voilà, donc dans tous les cas, CR7, t'as tout mon soutien. Voilà, donc là, il y a toute la haine qui va commencer à se déferler sur toi. Moi aussi, j'ai déjà mal parlé de toi. C'est vrai. Ben oui. Des fois, tu déçois. Là, en plus, avec toutes tes décisions, comme quoi tu veux pas rester à Manchester United, et blablabla, blablabla. Hein? Donc, force à toi. On espère te voir dans un club digne de ce nom, parce qu'on va pas se mentir que l'équipe de Manchester United, là. Oh lolo. Mais d'où ils viennent, ces gens-là? Ils se mangent des 2-0. Ils ont mis 0 but aujourd'hui. Hein? Oh là là!